qu'on est samedi après-midi. Il fait beau. Il fait bon dans la forêt. Beaucoup moins chaud que lorsque vous êtes sur la route, beaucoup plus bas. Là, on est un peu en hauteur. On est environ à 470 mètres d'altitude. J'ai garé la voiture en amont sur un parking spécialement dédié. Donc l'ascension pour arriver en haut peut se faire à pied ou sur la petite route là en bas, exclusivement en vélo. À partir d'un point bien précis, il n'y a plus aucun véhicule qui peut monter plus haut que l'endroit où j'ai garé mon véhicule. Désolé si l'image tremble, mais je n'ai pas de stabilisateur assez performant sur mon téléphone. Va-t-on rencontrer des infectés ? Je ne sais pas. Je ne l'espère pas en tout cas. Nous arrivons au petit restaurant. Ça va être agréable. Nous sommes arrivés à destination. Ici est un peu plus élevé qu'avant. Plein soleil. Avec cette vue magnifique. Nous sommes dans l'ascension. Au château fort qui se trouve juste devant moi.
quelques centaines de mètres. Alors évidemment, comme on est proche de la frontière allemande, tout est traduit en allemand. C'est écrit en français et en allemand. J'espère que ça vous plaira. Je vais prendre le petit circuit circulaire qui a été bâti tout autour du château fort, qui, comme vous l'avez vu sur les vidéos, sur les images, pardon, a été bien sûr refait par endroits. Je ne vais pas monter en haut pour la simple et bonne raison qu'il y aurait trop de monde. Et je vais juste vous faire profiter du calme où il n'y a personne en fin de compte. J'espère que ça vous plaît. C'est bon, c'est passé. Nous avons aussi évité le maximum d'infectés, car il y en avait beaucoup trop. Nous sommes toujours au pied de l'édifice.
Nous y sommes presque. Nous avons fait quasiment le tour du château fort. Encore quelques mètres. Et nous repartirons. Allez. On va se dire bientôt au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Twitter. Ciao, ciao.